Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces chips là. Ça s'appelle des Onion Rings et je les trouve vraiment très bons. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien normalement, oui. Hein, voilà, ça ressemble à ça. C'est des sortes de chips tout simplement comment on appelle ça, aux oignons. Et c'est trop bon. J'aime beaucoup et j'adore quoi. Et c'est justement ces chips là que j'ai acheté avec ceux au miel machin là. Je les aime bien, ça j'ai prévu de racheter avec mes propres sous plus tard quand je repasserai à la caisse. Enfin du coup, pour la première fois parce que voilà, ça c'est, on me l'a offert. Donc du coup, il y a quoi d'autre? Je ne parlerai pas de ceux que j'ai pas aimé parce que j'ai pas envie, c'est mon point de vue. Ceux que j'ai pas aimé, je n'en parlerai pas. À moins que vous voulez vraiment, mais ça alors à ce moment là, vous me dites dans les commentaires. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour ceux que j'ai pas aimé, sinon de préférence je préfère pas en parler. Merci bien. Et du coup, et en plus ça me fait des commentaires en plus, XPTDR. Et du coup, bah, ce qui est bien c'est que c'est trop bon. Je vous montrerai donc uniquement ce que j'ai adoré et ce que je rachèterai. Parce que ceux que j'aime pas, en fait je pars du principe que chacun... Il y a chaque goût dans la nature pour tout le monde et tout et n'importe quoi. Et j'ai pas envie de jeter du négatif sur des produits que moi je n'aimerais pas. Et que si ça se peut, vous éventuellement vous aimerez bien. Oui, vous aimerez. Enfin, il y a une faute orale, mais excusez-moi. Vive la grammaire buggée de Mister Who. Donc vous avez compris que vous apprécierez si ça se peut et que moi en fait j'aime pas. Donc du coup c'est pour ça que de préférence je ne préfère pas parler de ceux que j'aime pas. Comme ça il n'y a pas de négatif et je parle uniquement ce que moi j'ai aimé. Donc là du coup ce que je vous montre là j'ai aimé puisque je vous montrerai pas du tout ce que je n'ai pas aimé. Voilà. Donc du coup maintenant du coup comme je vous ai expliqué ça fait vraiment deux doubles du coup là. Comme je vous ai expliqué, on va tout simplement tester d'autres. Enfin, je vais. Pourquoi je dis on Je vais tout simplement tester d'autres. Donc, continuer à manger. Reste, hein, ça me fait de la nourriture. Parce qu'en fait, c'est de la nourriture qui est tout simplement faite pour tous les jours. Hein. Je ne mangerai pas tout en un coup, comme je l'ai expliqué. Donc, c'est obligé d'être maximum par jour. Je ne peux pas du tout manger tout en, ou goûter comme ça vite fait tout en un coup, c'est ça je ne voudrais pas parce que c'est du gaspillage. Donc c'est hors de question. Demain, j'ai prévu de manger mon autre truc de riz. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de réponse à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux peut-être éventuellement faire, c'est si j'oublie pas bien sûr, c'est de filmer le riz qui sera cuit demain. Et du coup, je vous ferai une vidéo avec ça et je vous dirai... ben je vous tiendrai au courant, je vous montrerai la texture et tout ça, je vous montrerai tout simplement ce qu'il y a dedans et tout, et je vous montrerai ce que je rajoute en plus. Donc voilà, c'était ma petite rétro, c'est pas une rétro, j'arrive pas à dire, c'était mon petit moment de quelques minutes d'information de tous les jours. Bon, par contre cette fois-ci je pense que je vais pas mettre de musique parce que c'est un peu casse-pied quand même. Enfin, si la musique peut-être oui, mais en fait c'est parce que je dois passer en post-production. Ouais, non, je vais quand même le faire. Parce que si vous voulez, on pourrait croire que là, en effet, je filme avec mon iPhone 7. Mais en fait, il faut pas croire, je transfère ça sur donc la vidéo sur mon PC pour faire une exportation sur Audacity en fichier WAV, ce son uniquement. Pardon, j'ai un bâillement qui voulait venir. Le son uniquement pour en fait faire un traitement de bruit en fait parce que on entend le son que vous entendez là, enfin en bref vous l'entendez là, on se peut-être pas, mais en fait en bref il y a, si je laisserais comme ça il y aurait un bruit dégueulasse et c'est pour régler ce problème de bruit dégueulasse que je fais ça. Et après ça, quand j'ai fait ça, j'assemble ça sur Audacity, sur mon PC, tant que j'y suis. Hein. Je fais le traitement, je lis les deux. Après, je vais sur Unbreakit. Donc Unbreakit, c'est un logiciel tout simplement qui permet de convertir les vidéos pour avoir une meilleure qualité. Enfin, c'est pour réduire, pour changer les extensions des fichiers. C'est un encodeur, tout simplement OpenGL. Donc voilà, on attend un peu, ça charge, le vieux PC... Attends, voilà, donc voilà, c'est un encodeur Unbreakit, que vous avez le nom là,
Voilà. J'espère que vous avez bien lu. Comme ça, vous savez, n'hésitez pas à aller les chercher. Il permet de changer les extensions en point MP4, point, je sais pas, tout ce que vous voulez, en n'importe quel format, en fait, de vidéo. C'est le but d'un encodeur. Et en même temps, il allège fortement les vidéos, ce qui aide beaucoup. Je veux dire, par exemple, une vidéo qui fait 1 giga, il peut l'alléger à 300-400 MO. C'est vraiment une bonne aide quand vous n'avez pas une bonne connexion. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu. En fait c'est la lampe là que j'utilise, hein, pour, c'est ma lampe de bureau. Et portez-vous bien, bande de trutrus. Je vous dis donc à bientôt, c'était Mister Wu. Portez-vous bien, bande de trutrus.